Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Conversation Direct encore cette semaine. Hey, ça fait un bout qu'on se voit là, depuis le confinement, puis il y a pas de l'air à finir bateau. Mais j'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous êtes dans l'ambiance des fêtes malgré tout. On peut se faire une petite ambiance, on met des couleurs, on met des lumières, bref. Bienvenue à Conversation en direct qui va prendre une petite pause, comme si j'étais là tous les soirs. Pendant le temps des fêtes, on recommence en janvier avec plein d'invités. Avant de vous présenter mon invité, je suis très excitée, toujours, mais elle, c'est spécial. Je vous demande en bas où vous voyez le nom là où c'est écrit « commenter ». Il y a un petit piton qui s'appelle « partager ». Que vous soyez sur la page Courte Autourne maintenant, dont je salue les fans et les gens qui suivent Courte Autourne. Je vous remercie de toujours être là après 5 ans. Je vous adore, merci beaucoup. Les fans de la page de Facebook Conversation en direct, je vous salue aussi. Et je salue les gens qui sont sur ma page perso de Jeanne Gagnon, je vous salue. Je vous salue aussi les gens sur YouTube en ce moment. Allô tout le monde. Et parce que je suis sur plusieurs places en même temps. Donc, vous, ce que vous voyez, c'est seulement l'endroit où vous avez choisi de regarder. Donc, si vous êtes sur la page Conversation en direct, vous allez seulement voir les gens qui écrivent sur Conversation en direct. Si vous êtes sur Courte Autourne, vous allez voir les gens de Courte Autourne. Moi, je vous vois tout le monde. Fait que je peux pas toutes vous répondre. Puis, par respect pour mon invité, j'essaie de la regarder le plus souvent possible pendant qu'elle parle, même si des fois, je regarde vos questions puis vos commentaires. Parce que oui, on va choisir quelques questions et les mettre à l'écran. Alors, je vous dis bonsoir tout le monde avant de commencer. Ben là, vous êtes donc bien, vous êtes beaucoup, hein? C'est ça, ça paraît que les émissions sont finies, hein? Il n'y a plus de téléroman. Alors là, en ce moment, c'est ça. Je vous demande de partager en bas de votre écran, c'est écrit partager. Et aussi des petits thumbs up ou le cœur. Et plus que vous mettez des cœurs et des thumbs up, plus que la vidéo se fait voir sur les plateformes. Donc, allez-y, mettez des cœurs, partagez et ça va être bien le fun pour mon podcast. Sans plus tarder. Je suis tellement contente. C'est une humoriste. Puis là, je le dis, c'est pas parce que je suis têteuse, je le pense vraiment. C'est une des filles, je pourrais dire la fille qui me fait le plus rire sur le stage et dans la vie. C'est probablement une personne qui a une santé mentale douteuse, mais ça, c'est un autre dossier parce qu'elle est folle comme de la marde. Mais c'est une personne avec une intelligence incroyable. Elle m'épate et elle me fait rire. Elle va vous faire rire. Si vous ne la connaissez pas encore ce soir, c'est le bonsoir. Mais il y en a beaucoup qui la connaissent. Donc, vous allez être contents de la voir. Sans plus tarder, je présente mon invité, ma chum, Mélanie Ganimé. Bonsoir, Mélanie is in the house. Oh yeah, Jen! Oh yeah! Oh yeah! Salut! Comment ça va? Hey, ça va bien. Je me souhaite un petit décor de Noël pour toi puis tout le monde qui nous regarde. Puis moi, je trouve que toi, t'as l'air d'avoir un beau teint. Puis moi, j'ai l'air d'être sur Pinterest. Tu trouves pas que je suis un peu comme fade out? Je sais pas, mais moi, je te trouve très belle, by the way. Très belle. D'après moi, t'es vraiment belle. Parce que moi, je t'ai vue dans le cours cet été et Christ. Hey, ça part fort. Va être le fun, la soirée. Va être le fun. Oh, ouais, t'en vas là. On s'en va. Mais ben, y a bien du monde qui te dit bonsoir, fait qu'on va prendre le temps de dire bonsoir aux gens. Ben mon Dieu! Comment tu dis ça? J'ai dit, ben là, je me demandais si je pouvais voir, mais oui, je vois. Je vais t'en montrer, mais là, ça rentre beaucoup, ça rentre sans arrêt, fait que je sais pas comment gérer ça. Bonsoir à tous, mon Dieu, c'est belle fun! Ça rentre, y a beaucoup de monde, Denise, Marie, bonsoir Suzanne, je veux juste dire bonsoir, bonsoir Martine, comment ça va Martine? Allô Martine! Charles, bonsoir Charles, comment ça va? Là, j'ai l'impression que moi, je parle beaucoup plus fort que toi. Est-ce que tu peux régler ton volume? On dirait que ça a baissé depuis tantôt. Ben, j'ai rien fait. Ah non, c'est parfait, là, OK. Ah, c'est quand tu étais loin tantôt. Okay, ah, je t'attends, gaffe, j'ai trop de fun. Fait que tu vas par en arrière. Bon. Allô, Lynn! Bonsoir, Lynn, comment ça va? Alors, ben là, il y a bien du monde qui dit bonsoir. Je peux pas passer à côté de ma mère. Oh, allô, Hélène! Je l'aime assez, Hélène. Ouais, mais aujourd'hui, elle garde mon chien. Bon, avec le... Elle a mis des lumières de Noël autour. Tu vois qu'elle va pas bien, à ce temps-là, ma mère. Mais ben, telle mère, telle. Ah, d'ailleurs. Marc Langlois. Ah, il est tôt, hein? Il est 8h05, là. Ça regarde mal. Bonsoir André, bonsoir. Hey, gars qui est là? Hey, Marc Bello, salut, fait longtemps. Hey, ça, c'est un fidèle à Conversation en direct, Marc. Je suis contente de te revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Nous, on a passé complètement le printemps ensemble. À toutes les conversations, il était là, en direct, tout le temps, on a eu bien du fun. Fait que bonsoir, Marc. Ben, contente que tu sois là. Bonsoir, Luce, Elisabeth. Bon,
Ben là, je ne peux pas dire bonsoir pendant 4 heures, donc on commence ça. Mélanie Lanier. Oui, Geneviève Gagnon. On se parle beaucoup, nous autres, dans la vie au téléphone. Oui. On se parle beaucoup, hein. On s'apprécie beaucoup. Je pense que ça a coulé depuis le début ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne sais pas tant de choses de toi. Oui, puis non. Comme par exemple, bon là, tu es humoriste depuis combien d'années? On va partir de là. Ben, moi, j'ai fait l'école de 2007 à 2009. Puis avant l'école, tu sais, j'avais fait des petits shows au secondaire, là. Mais j'avais pas été game de faire de l'humour tant que j'avais pas le papier. Moi, j'avais le sentiment d'imposteur si j'étais pas diplômée. Fait que c'est à partir de 2009 que j'ai commencé à faire ça. Ouais, en sortant de l'école, j'ai pris une petite pause, là, parce que moi, ma mère est décédée pendant que j'étais à l'école. Fait que, mettons, j'étais pas si drôle que ça. Fait que, ça a pris un petit peu de temps, puis je pense que c'est en février 2010 que j'ai vraiment commencé comme officiel là, à temps plein. On salue Maude et Guilbeault. Hey, salut Maude et Guilbeault! Ouais. Ah, c'est beau, j'ai failli leur envoyer une photo parce que j'étais dans un magasin cette semaine, puis il y avait une toile de Guilbeault sur le mur. On salue Guilbeault que j'ai reçu fait quelques semaines. Oui. Et... Franchement, on les salue. Mais 2010, donc, tu peux dire que tu as commencé, puis tu étais allé à l'École nationale. Toi, tu es dans la QV, que ça prenait, c'était 2 ans à l'école, c'est ça? Oui. OK. Aujourd'hui, là, en 2020, 10 ans plus tard, OK, on ne parlera pas du confinement. Ça a changé l'humour parce qu'il y a eu le, on va se dire vraies affaires, il y a eu le avant Roson. Là, je parle à une femme en humour. Je ne veux pas aller dans la femme en humour, là, nécessairement, là, on s'entend, mais. Y a-t-il une différence entre avant le Roson et après, d'après toi, qui a continué tout le temps à beaucoup faire les bars et à faire les cabarets puis les salles de spectacle? Oui, oui, définitivement. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence. Je trouve que les gens sont vraiment plus conscients maintenant qu'avant. Puis je trouve qu'il y a une meilleure entente. Ben, je pense que quand il y a eu l'histoire de Roson, on s'est beaucoup parlé entre nous, les humoristes aussi. Puis autant les filles que les gars se sont dit un peu, voici nos attentes ou voici ce qu'on aimerait. T'sais, on aimerait pouvoir vous le dire quand on file de quoi qu'on tripe pas. Puis si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à nous supporter. Ou je pense qu'il y a eu cette conversation-là qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable tout le monde puis qu'on fasse comme si c'était pas grave. T'sais. Fait que ça a beaucoup changé. Je trouve qu'il y a une meilleure... collaboration par rapport à ça. Tu sais, à cette heure-là, ça arrive souvent que, mettons, il y a des gars qui viennent boire backstage, ils sont comme, t'es-tu correct? T'sais, avant, il y avait. Ah, wow! Oui, puis ça, moi, je trouve que c'est super beau de. Tu sais, des fois, ça arrive qu'on fait des bars miteux, là. C'est bien le fun, mais ça sent la pisse, puis c'est weird, là. Tu sais, ça arrive, là. Puis ça en prend des soirées de même. Moi, j'adore ça, aller casser. C'est l'école! C'est l'école! Moi, je pense que c'est ça qui nous endurcit. Ouais. Exact. C'est comme la vraie vie avant le. Tu peux pas aller en gala direct. Là, t'sais, tu faut que tu ailles te pratiquer avant. Fait que ça, dans les bars comme ça, puis même un peu partout, même j'avais été faire un show à Edmonton, puis dans l'avion, il y avait Jérémy Larouche qui était là, puis j'étais assis à côté d'un pas humoriste, là, d'une personne que je connaissais pas. Puis il m'avait texté avant le départ pour dire veux-tu changer de place, t'es-tu correct? Puis j'étais comme waouh, tu sais, c'était pas de même avant. Fait que moi, je trouve qu'il y a un beau changement. Hey, je veux juste dire, il y a Marc-André Guillot, je te salue, bonsoir. J'ai un message pour toi. C'est Joanne Juteau qui te demande de te saluer. Donc, allô, Joanne Juteau! Mais je suis contente que tu dises ça parce que toi, tu faisais partie de la grosse gang qui s'était fait, on s'était rassemblés ensemble, puis tu avais parlé en avant, et puis je me souviens que tu tenais ça à cœur, puis je suis contente que tu me dises que tu vois vraiment le changement, parce que moi, je le fais moins souvent, le circuit. Fait que c'est sûr que d'apprendre qu'il y a un gros changement drastique qui s'est fait, il y a un avant, puis un après, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Est-ce que tu te fais encore demander? Moi, je commençais en 2002. Fait que c'est sûr qu'en 2002, il y avait... dans ma tête, ça fait pas si longtemps que ça, mais oui, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Fait que je me faisais présenter comme ça. Ben oui. Ce soir, on a une fille sur le show! Ouais. Est-ce que t'as encore ça? Ça existe encore? Ça doit pas avec le paquet de filles, mais ça m'intrigue. Ça, là, on va en parler, là. Ouais! Il l'a encore quelques fois, mais de moins en moins, heureusement, mais il l'a encore.
Tu sais, il y a quelques journalistes qui, des fois, ils ramènent ça. On dirait qu'ils veulent créer un genre une situation. Tu sais, ils vont dire « Ah, là, t'es une fille en humour! » Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont taper là-dessus. Les humoristes, c'est vraiment de plus en plus rare qu'ils vont présenter dans les bars en disant « La prochaine, c'est une fille! » Tu sais, on le voit de moins en moins parce que les gens, ils ont compris, là. Tu sais, à un moment donné, ça, on a fait le tour. Mais il y en a des fois qui l'échappent encore, mais tu sais... C'est drôle parce que souvent, je trouve, à l'animation, il y a comme des formules qu'on utilise tout le temps, tu sais, par applaudissement, c'est qui venait en couple, tu sais, des fois, quand t'animes, il y a des choses qui reviennent d'une soirée à l'autre, tu sais, fait que des fois, ça sort tout seul, t'es comme, la prochaine, c'est une fille, puis là, oups, les gens s'en rendent compte, puis ils se rattrapent, tu sais. Mais moi, par applaudissement, je le fais encore, en passant, j'ai besoin de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, tout à fait, mais c'est, je veux dire, c'est que c'est, des fois, ça fait partie des classiques ou des vieilles habitudes de dire « la prochaine, c'est une fille », tu sais, au même titre que ça, parce qu'à l'époque, les gens présentaient comme ça, fait que des fois, ça reste, mais ça fait quelques fois que j'en vois comme partir en disant « la prochaine, c'est une fille », mais c'est pas pour ça que je l'annonce de même, là! Moi, j'adore ça, j'adore! Cette personne-là, sais-tu qu'elle pense à ça de la mort? Je sais pas si elle sait. Mais de la mort, beaucoup. Mais c'est quand même drôle d'avoir la personne paniquée par « si je suis en train de l'échapper, calice! » Moi, j'adore ces moments-là. Parce que tu vois que la personne, elle catch, tu sais, en même temps. Moi, je trouve ça beau, là. Puis, Mélanie, je veux que tu me parles. Moi, ce qui m'épate beaucoup dans... c'est le bordel, on va parler du bordel. On ne parlera pas de la pandémie, on sait qu'on est en pandémie, mais le bordel, c'est un bar qui est assez big dans la carrière d'un humoriste. C'est très pas intimidant, mais c'est impressionnant passer au bordel. C'est le bar le plus important dans Camo en humour. Puis il y a gros plein, puis c'est d'avance, faut t'acheter tes billets, puis il y a plus qu'une une représentation. Avec moi, passer. Au bordel, c'est comme la fin du monde. Ça me ramène au début de ma vie en humour, comment j'étais nerveuse d'aller chez Maurice pour la première fois. Mais toi, tu es animatrice au bordel. Tu es une animatrice qui est quand même assez souvent. Ouais. Comment? Quand c'est ouvert, je travaille. Oui, mais quand c'est ça, t'es l'animatrice qui va le plus souvent, mais. Non, mais je pense pas que c'est une question. Plus souvent, mais mettons, je pense qu'on est 7 animateurs, puis à l'époque, là, avant la pandémie, il y avait 9 shows semaine. Fait qu'on se splittait ça. Il y a des soirées où est-ce qu'il y a 2 shows, il y en a qu'il y en a 3. Fait que, tu sais, ça monte vite, là, quand même. Moi, ça fait 4 ans, 5 que j'anime, là. J'ai pas animé la première année, je jouais. Je faisais des 15 minutes, là, j'étais une invitée, puis à un moment donné, ben je parlais avec Charles Deschamps, puis tu sais, j'étais comme bon, puis ça allait bien au bordel pour moi, tu sais, moi, je fais partie des privilégiés, là, tu sais, le bordel, c'est comme le plafond, il est bas, tout le monde est assis proche, il y a comme une ambiance vraiment le fun, puis tu sais, il y a eu une période où j'avais beaucoup de standing ovation au bordel, puis c'est rare, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais comme vraiment, mon Dieu, j'étais vraiment contente, puis c'était un beau trip, puis à un moment donné, je disais à Charles, ben là, tu sais, on dirait que je sais pas, il manque quelque chose, tu sais, j'aimerais ça comment qu'on fait pour s'améliorer, tu sais. Puis il a dit, ah, ça te tente-tu d'animer, tu sais, on cherche à combler un spot. Fait que j'ai dit, OK, mais la première fois que j'ai animé, j'ai dit, il va falloir que tu m'enlèves de là, j'étais pas bien bonne. T'étais-tu pas bonne pour vrai? Ben, j'étais très nerveuse, fait que j'étais pas super bonne. Laurent Paquin, il était là en plus, puis il m'a regardé, puis il a fait, ouais. OK, t'étais pas bonne pour vrai, là, parce qu'on dit ça. Mais j'étais nerveuse, puis ça paraissait, tu sais, je pense que c'était ma première, puis je le savais, tu sais, t'as deux propriétaires dans le bar qui te regardent le faire pour la première fois. Tu sais, j'étais pas bien, là. Mais tu vois, ils me l'ont fait faire le lendemain, là, j'étais correcte. Mais là, les gens qui sont avec nous en ce moment, animés, moi, je trouve que c'est dur, là. C'est pas tous les humoristes. On peut être tous bons dans des shows, mais c'est pas tous les humoristes qui peuvent animer. Moi, je l'ai essayé maintes et maintes fois. C'est vrai? Oui, j'avais des bars, j'avais mes soirées que j'avais parti à un moment donné à Weekend dans le bout de Drummondville. J'y allais tous les samedis, Sam Breton y est venu. Il y en a une bonne gang que j'ai eue. Mais l'animation, c'est parce qu'il fallait faire des nouveaux numéros tout le temps. Tu sais, je me présente, puis tout ça, là, j'étais correct. Mais faire des nouveaux numéros cassés tout le temps, je me suis aperçue que je suis une bonne raconteuse, je suis une bonne sassante, mais je suis pas une bonne auteure, je suis pas une personne qui peut cracher des textes de même comme je veux.
mes textes sont basés sur j'ai vécu quelque chose, une anecdote qui m'arrive, puis là, mais si je n'ai pas d'anecdote dans une semaine, partir sur une page blanche avec ce qui se passe, je n'ai pas le talent. Fait que je trouve que, moi, je suis impressionnée que tu es une animatrice aussi bonne au bordel. Faut comparer avec les bonnes affaires. Quand tu fais une soirée dans un bar ou dans un resto-bar, tu sais, puis que tu animes à chaque semaine, ton public, il revient. Fait que c'est normal, il faut que tu y donnes du nouveau stock à chaque fois. Tandis qu'au bordel, tu sais, c'est jamais le même public. C'est pas une redondance. Fait que tu peux refaire la même animation, trois shows en ligne, personne va avoir l'impression d'avoir vu le même show. C'est pas le même monde, tu sais. Puis d'une semaine à l'autre, les gens, ils reviennent pas tous les jeudis, tous les vendredis. Tu sais, il y a tellement beaucoup d'achalandage au bordel. Puis vu qu'il y a 9 shows, tu sais. Ouais. T'es pas obligé. Quand moi, j'ai animé des soirées, je vivais la même chose que toi, d'avoir à écrire un numéro par semaine, puis ça gaule en tabarouette, là, mais il y a de quoi t'es chiant, je trouve, dans le... Ben toi, t'es une malade d'écriture, t'écris des shows, tu sais, on se parle au téléphone, t'as dit, bon, aujourd'hui, moi, j'écris 45 minutes, je fais comme, pardon, moi, ça me prend 5 ans d'écrire 45 minutes, qu'est-ce que tu sais? Moi, j'écris 45 minutes demain. Oh, là! Mais non! Moi, ben, c'est cute dans ta tête, c'est cute dans ta tête. Mais non, c'est pas dans ma moi. Tu me comptes une mentrie cette fois-là, mais tu t'en allais écrire 45 minutes, puis 20 minutes ici, puis 20 minutes là, puis je passe à TV. Je fais comme tabarnouche. Hey, moi, là, pour faire ça, pour jouer un chalet, je dis à ma famille qu'ils ne me reverront pas, je me laisse pousser le poil, je vais m'acheter des canages, puis là, je m'en vais écrire 20 minutes. Ça va me prendre 7 mois, là. C'est sûr qu'avec des bons dessous de bras et une bonne touffe de fourche, là, ça écrit bien mieux, là. C'est sûr. C'est ça que les gens, ils savent. T'sais, prenez ça en note, le monde à la maison. Une bonne touffe de fourche, ça rend créatif. Moi, je parlais des poils de jambes. Toi, tu parlais de la fourche. Mais j'ai parlé du tout de bras aussi pour essayer d'être équitable, mais je suis restée accrochée sur la fourche. Je veux la base. Il y a les vraies affaires en pandémie. Oh mon Dieu, il est juste 8h18. On salue les gens qui mangent en nous regardant. On les salue. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mangent. C'est ça qui est plaisant. OK, on entend. Mais ben là, on va en parler de la pandémie. Je ne veux pas passer 2 heures là-dessus, mais je n'ai pas le choix de savoir comment tu vas en pandémie. Les humoristes, ils goûtent fort. Toi, tu t'es fait un studio à la maison. Tu es mon idole. Hein? Ouais. Tu as décidé de faire un studio à la maison. Parle-moi de ça. Je voudrais te le montrer. Je me suis dit, un studio. J'ai pris un escabeau. J'ai mis mon laptop dessus, sur la petite palette de peinture. Puis je me suis acheté un ring light qui est là. D'ailleurs, je le trouve fort, c'est ça. Mais en tout cas, je ne suis pas adaptée encore, mais tu sais, on fait des tests. Puis je me suis acheté un micro qui n'est pas branché parce que ça ne marchait pas, mais ça marche encore pas. Fait que là, j'ai un micro-fil là, de stand-up. Puis souvent, ben dans le temps des fêtes, les gens, c'est ça qu'ils voient, là, le backdrop en arrière. Mais c'est beau, c'est écœurant. Ben, t'es bien swell. Moi, dans ma tête, j'habite dans un chalet à l'année, fait que, tu sais, c'est mon setup chalet de Noël. Mais c'est... Puis le son, il est bon. Il est comme moi, là, en ce moment, t'entends l'écho, hein? J'entends pas l'écho, non. Non? Moi, je m'entends l'écho, en tout cas. Non, moi, toi, on n'entend pas l'écho, on dirait que t'es vraiment en studio. Toi, t'as-tu... Comment ça va, les contrats avec les studios à maison? Les gens ont commencé à se dégeler et à nous à embaucher les humoristes? Moi, je sais que j'en ai, là, mais je ne l'ai pas fait chez nous, le studio. Il faut que j'aille en studio, mais j'avoue que quand tu es à la maison, c'est encore plus fun. Là. Ça, c'est bizarre à la maison. Là, j'en ai fait 2 jusqu'à maintenant. Non, mais de Noël, je veux dire, je viens d'en faire 2 à tabac. Puis, tu sais, comme je te dis, moi, je suis placée avec l'échelle. Mais je sais que chez nous, au bout, c'est comme moi, je suis comme dans le coin d'un L, OK, en ce moment. Puis ici, il y a comme ma table. Puis au bout de ma table, il y a un miroir qui fait tout le, tu sais, du sol au plafond. Fait que moi, quand je faisais mon corpo cette semaine, tu sais, je parle dans le micro, nanana, tu sais, qui est accroché dans l'escabeau. Puis là, une année, je me suis vue dans le miroir. Puis je me suis vue comme, dans le miroir, je me voyais parler à un escabeau. Puis j'ai eu un genre de... Arrête de parler avec un escabeau, mon colis. Mais c'est que les gens, ils étaient là, tu sais. J'ai tilté 2-3 secondes. C'est donc bien bizarre. J'ai comme eu un petit moment de présence over conscience, là, je sais pas. Mais en même temps, il y a de quoi de le fun, tu sais. T'es en pantoufle pour faire ton travail. T'as juste un beau top, dans le fond. Oui, c'est ça. OK, il ne te voit pas la tête aux pieds dans ton...
Ben, non, parce que c'est. Ben, j'ai peut-être pas encore assez bien compris comment placer les affaires. Mais sinon, c'est trop loin. Fait que, je sais pas, on dirait que je sors de. C'est comme si je deviens qu'une petite phase de même. Fait que là, je suis comme. J'ai Mais pas encore compris, je pense, comment ça marche, honnêtement. dis donc, là, toi, t'envoies les liens Zoom, mais là, comment tu sais que ça fonctionne? T'es tout seul avec tout ça, t'es vraiment mon idole, là. Non, mais on fait des tests avant, tu sais, avec le client, souvent, tu sais, souvent, ça va être un corpo, là, tu sais, c'est une business qui offre ça à ses employés, ou, tu sais, hier, j'étais pour le cégep de l'Outaouais, tu sais, ou, fait que là, on fait un test avant, on se connecte tout le monde, ça marche, ça fit, OK, le son, clic, clic, clac, clac, c'est beau, OK, on part, tu sais, fait que tu pars pas au dépourvu de même, là. J'adore ça. Ça se fait quand même bien. Puis là, tu vois, je vais vivre l'expérience d'un studio vendredi soir. J'en ai un dans un studio. Toi, je sais que tu es fait en studio, hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que moi, j'avais vu ta conférence que tu avais faite en studio. J'avais adoré. Ouais. Non seulement ta conférence est vraiment le fun, mais toi, tu te promenais, tu sais, tu avais les caméras, ils filment le corps au complet. Fait que tu sais, tu peux faire des mouvements. Puis, tu sais, moi, j'ai des jokes physiques, là, mais là, j'ai de la Ouais. misère pour les faire. Fait que. Oui, mais c'est sûr qu'en studio, mais ça vient avec un coût, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que nous, d'un cachet, on peut pas booster, tu sais, ces gens-là, ils chargent pour le studio. Il y a trois, quatre C'est techniciens, des fois, ils ça, sont cinq, il y a c'est trois caméras. Fait que dans le prix, il faut que tu boostes le prix. Fait qu'on joue avec notre cachet, mais c'est correct. Moi, pour performer, là, c'est impossible de pas avoir une scène. ça. Ah ouais, hein? Ben, Comme il y a une je scène dans le studio, il y a vraiment un stage. Je monte sur le stage, il y a des spots, il y a mon micro, j'ai des. Sinon, je suis pas capable de performer comme avec mon fond de maison. Je Mais sais faut pas. le tester une fois. Tu sais, moi, le premier, je l'ai fait assis. Comme là, je suis assise, là. J'ai un petit meuble devant le foyer pour que tout le monde pense que je me fais chauffer le dos. Mais je l'avais fait assis, puis c'est comme pas la même vibe, mais je m'en étais bien tirée. Puis là, ben, je le fais debout. Faut que tu l'essayes. Regarde, Geneviève, viendra chez nous le faire. J'ai quelqu'un qui dit ici qu'elle est en train de regarder ton chez-toi, Maude. Maude et Ouais. Guilbeault, parce que c'est les deux en arrière de l'écran en ce moment qui nous regardent. Oh. Elle dit qu'elle est déjà, je pense qu'elle est déjà tannée de ta couronne. Déjà tannée, Christy, je l'ai, ça fait une semaine. Mais elle a dit que toi, tu vas être tannée de ta couronne. Est-ce que tu vois ce qu'elle a écrit? Tu vois-tu Oui, bien? elle a quelque chose de beau pour remplacer ça. Elle va-tu m'envoyer un cadre avec sa face à elle parce qu'elle est tellement belle, Maude. Ah oui, elle est belle. Elle est Ben fine. Pas du oui. monde beau puis fin, je suis pas capable. Pas Oh, capable. mon C'est Dieu, je sais. pas Aïe, 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 aïe. possible. Puis lui, tout. Beau, fin, Ben talent. oui, ben oui. Petit monde de merde. Bon, on vous aime L'amitié selon Geneviève. vraiment. Da-da-da. Je sais que Guilbeault est un humoriste, hein? Ouais, il m'en a parlé un petit peu, mais il y a longtemps. Ben là, pas. L'eau chaude est arrivée, là. Ça fait pas si longtemps que ça, là. En 2000. Seigneur, la façon dont tu parles, ça. Je veux dire, ça Bon, fait je ne 15 pas nouveau, ans, là. c'est Guilbeault, là. Non, mais ça fait 15 ans. Genre, quand je dis longtemps, ça fait 15 ans. Genre, je sais bien que l'eau et l'eau chaude existaient il y a 15 ans. On me prend pour une conne. Là, tu t'en vas dans le portique, ma grande, là. Mais Marc Oui, Bello, il dit. On revient au virtuel. Je vois ça depuis quelques jours que le virtuel fonctionne bien car je viens d'intégrer une belle boîte à titre d'agent d'artiste. Oui, ben, oui, Marc, en fait, il y a beaucoup de studios qui se sont montés aussi. Fait que quand il y en a un de pas disponible, ils sont tous pleins les studios. Fait qu'il y en a un à Montréal que je connais, à Laval. Il y a celui au 10-30 de mes amis de groupe Cinéma Média. Celui-là, c'est ma gang. Puis t'as Eric à Québec. C'est tous des studios virtuels, sont tous back-à-back, là, les corpos, puis tout. Fait que oui, ça fonctionne beaucoup. Ah, Maude, elle nous trouve drôle. On a un bon public. Mais tant mieux, parce que ça nous fait travailler. Tu sais, c'est sûr qu'on travaille. Parce que c'est notre gros temps de l'année, on s'entend cette année. ouais, Je veux dire, novembre, décembre, ordinairement, on voit pas personne, puis on fait juste des shows. Puis là, ben. ouais. Mais heureusement que les gens ils ont quand même le courage d'essayer ça, la nouvelle formule, tu sais. Puis je pense que ça fait encore, ça va toujours faire du bien aux gens de rire, puis mais ça nous fait du bien à Chris, à nous autres aussi, de sortir du mode pandémie, puis de refaire des jokes, puis d'avoir un.
c'est pas le même contact, on s'entend, là. On ressent pas la même chose que quand c'est un spectacle live, mais ça fait vraiment du bien de voir des épaules rire. L'autre jour, je faisais un compo, il y avait une fille qui fumait de la chicha. J'avais jamais vu ça. Tu vois, c'est des nouvelles expériences. C'est des nouvelles... Mais j'avais, un moment donné, j'ai fait ma conférence, puis il y avait des gagnants. Fait que des gagnants, j'imagine, qui s'en colliquaient. Mais il y en avait une, là, je la voyais sur Zoom, j'étais en studio, fait que toutes les femmes sur des écrans géants, elle avait comme des... elle faisait son nom, elle m'écoutait de même, elle faisait ses ondes. Wow! Wow! On ne m'avait pas en salle de spectacle. J'avais le goût de dire, je vous vois, madame! Mais, tu sais, je voulais dire, elle, chez eux, t'es confortable. Ben oui. Tu sais, fait que bref. C'est ça qui est weird. Au moins, on ne les voit pas faire d'autres choses. Une fois, j'ai fait un compo, les gens, ils mangeaient du poulet. Fait qu'ils riaient pas, ils ont mangé tout le long. C'est ça, on vit des nouvelles affaires. C'est des nouveaux trips. Mais non, mais en même temps, c'est sur leur heure de dîner, tu sais. Je peux pas leur dire arrêtez de manger, il faut rire. Je peux pas faire ça, que... On salue Martin, mon cousin de Granby, de l'atelier Archibald. Ah, j'ai hâte d'y aller, d'ailleurs. J'ai vu une couple de vidéos que tu as faites. Ça a l'air bon. J'ai bien hâte d'aller manger chez vous, Martin Gagnon. Ouais, ben, faudrait que tu viennes jouer, là, parce que Martin fait des shows d'humour, là. Ben oui, on était supposé avant la pandémie, mais ça... Oui, t'étais, oui. C'est vrai, t'étais... on avait un colique. Oui, ça s'en venait, ça s'en venait. Puis Martin, ben, ton restaurant, je sais pas si la santé publique disait que lui, avait, la santé publique n'a pas de problème avec les restaurants. C'est, ben oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Un colique, il doit être en beau calvaire, mon cousin. Ben, allô, tout Mélanie tout. Dubé, comment ça va, ma belle amie? Bon, là, va juste... on va juste dire bonsoir. Bonsoir, René, comment ça va? Lui, habite à Saint-Lin. Je l'agace tout le temps. Je dis que c'est le plus bel homme de Saint-Lin. Bon. Bonsoir, René. On l'a revu ici. On l'a revu. Alors, Martin Gagnon, tu es la bienvenue pour jouer. Il parle à toi. Oui, Martin, t'es bien fin. Ça va, on va se reprendre. On va se reprendre. Ça s'en vient. Mais pour vrai, t'es pas venu manger, là? Non. Non, non, mais attends un peu, là. Tu comprends pas, là. C'est pas parce que c'est mon cousin, là. Sérieux? Je sais. Ça n'a aucun sens. La bouffe qu'il fait, mais là, il en fait plein de bouffe, là. Il y en a qui viennent de partout, là, il fait des boîtes. Il dit, la cuisine, là, c'est pas rien, là. Tu vois, sur son restaurant, ça s'appelle Atelier Archibald, mais avec deux T. A-T-T-E-I à Granby. Puis là, tu regardes les menus que tu peux aller chercher avec du vin, puis tu fais des méchantes bouffes. Mais quand ça va ouvrir, allez voir. Faut que je t'emmène à ce restaurant-là. Moi, je passe. Ah oui, j'ai vu la terrasse en plus. J'ai vraiment dit. Ça n'a aucun sens. Ça vaut le détour. Il y en a qui viennent de partout, là. Granby, c'est pas la fin du monde, hein. Ça se fait bien de partout. Fait que, on salue Martin. Et ben c'est ça. Là. Je descends mon pouf. Je fais juste glisser. Te rappelles-tu la vidéo où la madame à ma chambre a fait. Et je le vis un peu. Je trouve que t'es drôle. Mais je suis pas drôle, je suis en train de casser le camp. Mélanie Ganimé, là, il y a beaucoup de monde qui écrit, fait que je veux pas aller. Ça va vite, là. Il y a beaucoup d'affaires. Oui, vas-y, je suis là. Cici Duchesne. Tu es super motivante, Mélanie. Tu as une super drive. En plus, tu nous fais rire. Ah ben, ça me fait bien plaisir, ça. Ça me fait bien plaisir. C'est vrai. Mais moi, je t'ai vu en show, là. Ben, souvent, on s'entend. Sérieux, Mélanie, t'es la fille la plus drôle. T'as de la répartie. T'es vite, t'as un rythme, t'as un style. Ton humour, c'est raw, là. C'est pas... du tout vulgaire, mais c'est cru, tu dis les vraies affaires. C'est le fun, ça, que tu n'avais pas fermé ton cellulaire. Je trouve ça bien, le fun. Non, c'est parce que c'est mon horloge. Moi, il faut que. Je ne pas la semaine des 4 juillet, mais non, tu ne ferais pas ça que tu là. Non, non, mais avec moi, c'est pas grave. C'est parce que quand je mange à 8h30, c'est comme j'ai des heures. Puis là, ça m'a averti. J'ai oublié de le fermer. Bon. Mais t'es bien fine, c'est des très beaux compliments. Ça me touche beaucoup parce que tu vois, avec la pandémie, tu sais, vu que je peux pas aller jouer, d'un bord, dans la vraie vie, avec du vrai monde. Pas que je l'oublie, là, mais tu sais, c'est quand même le fun de se rappeler. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai de la torque, ça scène. Tu sais, parce que là, je suis pas bien de torque en pyjama dans le sofa, là. Tu comprends? Je suis assez smooth, là. Tu sais, j'écoute du piano, je regarde le 553 sur Stingray. Avec moi aussi! Elle me fait juger! Mais moi, ça fait beau, ça fait comme un. Mais oui, mais oui. Le pire, c'est que je m'en connais, là. Le pire, c'est que j'ai un vrai foyer, là. Toi, c'est pire que moi, par exemple. Moi, ouais, ça, c'est... Mais non, mais tu n'as quand même pas passé du bois à toi et 30 secondes. Donc là, tu sais, pour arrêter d'être cheap un peu.
J'y vais. Moi, je vais aller avec mes employés. Chantal Ouellet a dit, vous êtes bonne et belle, moi aussi, ça m'écœure du monde demain. Oui, ça l'est fait dire, ça l'est fait dire. Ah, oh, c'est drôle. Là. Puis, il y a du monde qui a hâte de nous voir en vrai. Non, là, hey, Chantal, c'est quand? Ça va être malade quand ça va partir. On va virer fou, nous autres, les humoristes. Ça n'a aucun sens. Le monde va virer fou d'aller voir des shows. Ben, mais en même temps, entre les deux confinements, on a fait des shows. T'sais. Moi, j'ai travaillé en malade entre les deux. Là. Genre, j'étais pas game de dire non à rien. Fait que je te cacherais pas qu'à un moment donné, j'ai fait « Il faudrait qu'il y ait une deuxième vague, là. » Je suis vraiment fatiguée. Puis après ça, j'ai regretté d'avoir dit ça parce que la deuxième vague est arrivée quelques jours après que je l'ai dit. Mais on a travaillé beaucoup, puis il y avait quelques personnes qui étaient game d'aller dans des salles de spectacle, mais il y avait quand même beaucoup de gens. Il disait que 12% de la population était game de sortir faire des activités. T'sais, le sondage à l'époque, là. Fait que tu sais... Ben, entre les deux confinements-là. C'était. C'est ça. Fait que, tu sais, s'il y a 12% de la population qui sont game de faire une activité, puis là, tu sais, il faut que ça soit l'humour. Fait que là, il faut qu'ils viennent te voir. Tu sais, il y a comme... ça s'essouffle assez vite avant que... Je me demande si ça va être comment le retour, tu sais, parce qu'il y a les grands, tu sais, ceux qui vendent beaucoup de billets, qui sont énormément connus, qui risquent d'avoir des salles avant pas mal tout le monde, vu que tout a été reporté pour eux autres aussi. Je me demande juste quand est-ce que... Ça, faut pas que j'y pense trop longtemps parce que ça peut être un peu épeurant, mais... T'sais, on va faire avec. Il va y avoir des nouvelles affaires. Il y a eu des shows dehors pendant l'été. Il y a tout le temps quelque chose qui va popper, là. C'est juste, c'est quand même un peu... c'est plate ce qui se passe pour la culture, là. C'est terrible, en fait. Là, c'est terrible. C'est absolument épouvantable. Je pense pas qu'on comprenne pour le moment... l'impact que ça va avoir à long terme sur la culture. Je pense pas que les gens saisissent, même nous, là, tu sais, je veux dire, je pense pas que je sois consciente de ce qui est en train d'arriver. T'as-tu fait des shows dans les cinéparks, toi, cet été? Oui. Comment t'as trouvé ça? Ben moi, j'ai été bien chanceuse. Merci la vie pour ça. Le cinépark où j'étais, les gens, ils étaient super respectueux. Ils ne klaxonnaient pas tout le long. Il y en avait énormément qui avaient sorti de leur auto, fait qu'ils étaient dehors, fait qu'on entendait les rires. Tu sais, mais j'ai donc... Ils apportaient leur chaise pliante, puis ils s'assoyaient sur... Ouais. Fait que ça, moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai eu du gros fun. C'était juste un petit 12 minutes, mais c'était bien le fun, tu sais. Tandis que j'ai des amis qui sont à l'enfer, que le monde, il klaxonnait non-stop. À un moment donné, t'es comme, mais je parle quand, là? Tu sais, c'est weird de parler avec des tout le temps. Tu sais, c'est comme. Fait que mais moi, pourquoi ils faisaient ça? OK, après une joke, là, mais ils voient parler puis ils continuent? Ben, tu sais, le monde, des fois, ça. Des fois. Oh, les gens. Non, mais des fois, il y en a qui comprennent les gags en retard, peut-être. Ou... Le concept, c'est de klaxonner puis de faire du bruit. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. T'sais. C'est ça le but du show, mais c'est juste le timing. T'sais. Fait que d'une soirée à l'autre, il paraît que ça dépendait vraiment de la gang. Mais moi, je suis vraiment bien tombée. J'ai eu bien du fun, puis c'était vraiment le fun. Elle dit Geneviève Rousseau. Ouais, mais les grands, c'est pas toujours les meilleurs. Les nouveaux, ça fait du bien. Oui, c'est nous autres les meilleurs! Mais les gens sont de plus en plus open aux nouveaux. Oui. Puis je sais pas combien de temps qu'on reste nouveau, par exemple, à Mané, c'est comme. Mais je sais pas c'est quoi un nouveau. Tu sais, après le gala, après passer à un one-man show, à Mané, c'est juste c'est la personne qui est plus connue ou pas, puis ça devient plus connu s'ils font de la radio ou d'autres émissions à télévision, parce que le monde aime ça quand les gens font de la TV. Mais sinon, puis les heures de travail, tu sais, il y en a qui ont plus d'heures, mais quand même. Oui, c'est ça, mais tu sais, il faut que... Tu sais, c'est bizarre parce que moi, je me questionne vraiment beaucoup sur le vedettariat puis la popularité. C'est quelque chose que... C'est quelque chose qui... Je comprends pas la game. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont super bien travaillé avec les réseaux sociaux pour se bâtir un fanbase puis tout ça. C'est juste... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont souvent à la télé, souvent dans des jeux, souvent... Tu sais, On dirait que le milieu, souvent, ça revient à ce qu'on est comme tout le temps, partout, tout le temps. Mais les nouveaux, ils restent nouveaux 15 ans, mais on fait ça depuis super longtemps. C'est pas tout le monde qui tripe d'être sur, je sais pas, Instagram Stories pour dire « Yo, mais j'arrête de me brosser les dents, malade! » Tu sais, genre, moi, je m'en calisse de ça, là. Exact. Donc,
c'est quelque chose, c'est une bébête, la végétarien, là, que je ne saisis pas trop. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui nourrit beaucoup ces affaires-là, mais je suis quelqu'un qui aime bien ça quand il y a du monde dans mes salles de spectacle, par exemple. Tu vois, je n'ai pas compris à patin. Ben, l'affaire, c'est tu ne la comprends pas, Gagne, m'a-t-elle expliqué. Plus tu es vu à la télévision, puis plus tu es entendu à la radio, plus il y a des gens dans tes salles de spectacle. Exact, c'est sûr, mais c'est quand même. Le build-up pour faire de la télé, je trouve que c'est quand même, tu sais, ça prend beaucoup de travail. Tu sais, mettons, moi, là, je suis représentée par une boîte qui travaille fucking fort pour que je puisse aller à telle ou à telle émission. Mais tu sais, pour que les gens, tu sais, il y a beaucoup de politique dans ce monde-là aussi. Puis, tu sais, c'est un peu normal. Il y a des clients annonceurs, tu sais, il y a de la pub, il y a beaucoup de gens qui veulent en faire aussi. Fait que, tu sais, c'est très circonstanciel aussi, mais la vague de popularité aide beaucoup. Mais la popularité arrive avec la télé. Fait qu'à un moment donné, t'es comme... Il y a un petit peu la faute du public là-dedans. Il y a-tu la faute du public? Ouais. Je m'explique, ah, les gens. Mais je m'explique, je voulais juste te dire. Tu sais, le public... Moi, j'ai sorti mon One Woman Show, là. Puis c'était avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux existaient, mais jamais comme aujourd'hui, OK? Fait que... pour avoir du monde... Parce que moi, je ne passe pas à TV puis je ne passe pas à radio. Là. Le show, il est bon, il est de la qualité, ils ont mis de l'argent dessus, j'ai une équipe en arrière. Même un stick d'affaires que tout le monde sort un show, le show, il est bon puis tout. Mais je ne suis pas connue. Le public, là, je suis dans le journal de Montréal, là, il y a 35 humoristes. Là. Vont-tu choisir Geneviève Gagnon ou Louis-José? Le public, c'est lui qui va choisir. Au bout de la ligne, c'est lui le boss. Mais il va choisir un shot. Il n'ira pas payer le même. Tu sais, peut-être qu'il y a 5 piastres de différence entre les deux parce que les salles, tout coûte la même affaire. Mais il va-tu prendre une chance à quelqu'un qui ne connaît pas ou quelqu'un qui connaît? Je pense que les gens, ils aiment de plus en plus découvrir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Il y en a beaucoup. Il y en a des gens qui connaissent des... Oui, il y en a. Il y en a quand même. Il y en a. Tu n'en avais pas, mais. Vas-tu remplir André Mathieu, toi, avec du monde? Non, c'est sûr, là. C'est sûr, mais... Là, dans mon show, sur le poster, pour avoir du monde, fallait écrire c'était qui mon metteur en scène. Parce que si on est... Moi, c'était François Léveillé. En mettant François Léveillé, on fallait qu'il y ait une crédibilité en arrière, puis peut-être que tout le monde va venir parce que c'est peut-être son petit bébé, tu sais, à François, tu sais, fait que... C'est ça qui arrive, c'est le public a besoin d'un nom pour rassurer sa soirée. En tout cas, aujourd'hui, je te l'accorde. Peut-être moi aujourd'hui, mais ça, c'est à cause des réseaux sociaux. C'est sûr que c'est à cause des réseaux sociaux. Mais moi, je ne pourrais jamais blâmer le public, honnêtement, parce que le public, là, c'est son argent qu'il y a dans son portefeuille. Il fait mais c'est t'sais... pas un blâme, c'est eux autres, c'est à cause d'eux autres si les gens travaillent ou ne travaillent pas. C'est le public qui décide qui va voir. C'est le public qui décide qui aime. Quand même qu'on rende quelqu'un d'engage au public, si la personne, le public l'aime pas, c'est lui le boss. C'est le boss. Mais je trouve que c'est moins simple que ça. Tu sais, je pense qu'il y a un build-up qui se fait aussi. Tu sais, mettons, les choses ont beaucoup changé, je pense, là, dans l'évolution de l'humour. Tu sais, mettons, Arnaud Soli, aujourd'hui, on sait que ce gars-là, il est super talentueux dans plein de choses. C'est un bon stand-up. Il fait des personnages, il fait de l'impro, tu sais. Mais il n'était pas très connu, mais il s'est super bien servi des réseaux sociaux. Il jouait de la flûte avec son nez, ça flash, ça parle. Les gens font comme, c'est qui ça? Tu sais, je pense que l'intérêt puis l'espèce d'engouement, il faut qu'il soit là aussi. Puis une fois que, si ce n'est pas là, tu sais, je pense que ça prend un travail de relations de presse, ça prend un travail de, tu sais, il faut que tu sois créatif, il faut que tu fasses des hits aussi. Tu sais, si tu n'as pas de hits, bien, le monde ne parle pas de toi. Tu sais, c'est important de faire des hits. Tu sais, tu fais des Christy de bon numéro, faut que ça parle. Fait que, tu sais, le public, c'est lui au bout du compte qui décide, oui, c'est parce ça. Que tout à lui, tu sais, lui, Christy, il va manger au restaurant, il fait garder du monde, puis il fait du monde, il fait garder du monde. Mais, tu sais, ça fait beaucoup de dépenses. Fait que tant qu'à dépenser, tu vas t'assurer d'avoir une belle soirée. C'est ça, on dit la même affaire. C'est ça, c'est juste que, tu sais, je pense qu'il y a quand même... Pour être dans l'œil du public, il y a vraiment un gros build-up à faire si c'est uniquement par les voix de masse là, qu'on connaissait avant, tu sais, qu'on avait à l'époque. Là, je pense que l'Internet, les clips, les podcasts, t'sais, Instagram, tout, ça change beaucoup. C'est juste faut que tu trouves c'est avec quoi que tu es le plus à l'aise. T'sais. Moi, ça donne, je ne suis pas si à l'aise que ça avec
des stories Instagram ou tu sais, c'est pas mon média à moi. Mais chacun son canal. Ma mère, regarde, qu'est-ce qu'elle dit? Ma mère, là, je déplace toujours les mêmes qu'on voit, mais ma mère arrête pas de me dire comment ça, c'est pas toi qui as ce rôle-là? Comment ça qu'ils t'ont pas appelé? Moi, Geneviève, là, tu devrais animer cette émission-là, toi. Ouais, ouais, ouais. Elle me fait ça des fois. Elle dit là, je vais écrire à. Je vais écrire à la TV. Je vais écrire à mon producteur. Ils vont dire, ils vont voir ma fille. Ils vont la prendre, ma fille. Je ne dirai pas, je suis sa mère, là. Non, non, non. Mais je vais leur dire, Geneviève Gagnon, là, vous devriez la prendre, elle est très bonne. Elle me fait ça. Je dis, maman, c'est écrit. C'est non. Né dans ton pipi. Mais ma mère, elle va écrire à tout le monde. Puis là, elle m'appelle, là. Check telle émission. Ça arrête avec toi qui es là. C'est toi qui devrais être là. En même temps, c'est une crise bonne job de maman, ça. De montrer à quel point qu'elle est fière de toi, qu'elle t'aime puis qu'elle te souhaite le meilleur. Moi, je trouve ça super cute. Ah! Oh, ma mère, là, elle va, admettons qu'elle va chez la coiffeuse, là, parce qu'on a la même coiffeuse. Quand je vais chez la coiffeuse, deux semaines après, elle dit « Ah, ta mère! » Mettons qu'elle attend la teinture sur la tête, là, il y a sac dans le coin pendant 40-45 minutes, là. Puis des fois, il y a d'autres chaises pas loin, là. Elle lui parle de sa fille! Ah! Oh, elle là, elle fait... Moi, ma fille, là, c'est Courtetoune. Oui. Ma fille. Pierre, qu'est-ce que tu veux? Le jeu, elle fait, vous ne connaissez pas Courtetoune? Là, part. Elle prend son cellulaire, elle monte ses vidéos. Au monde, elle les prend. Sont obligés de l'écouter, son poignet là. C'est triste. Très triste. Non, mais c'est magnifique. Go, Hélène, lâche pas, puis fais-en plus. Il y a du monde, qui, comme Geneviève Rousseau, je l'aime tellement, ta mère. Maman, t'es aimée, puis il y a du monde qu'on ne connaît même pas. On devrait faire une page fan à Hélène. Moi, il faut que je fasse un numéro avec ma mère. Elle est trop spéciale. Ah oui. Vraiment spéciale. Oui. Ouais. Parle-moi de ton one-woman show, mon ami. Tu étais dedans avant la pandémie. Tu le sortais. C'est quoi? Non, moi, j'ai fait ma première le 22 novembre 2018. C'était mon premier one-woman show. C'était toute une aventure. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris beaucoup de choses sur le milieu. J'ai appris beaucoup de choses sur le public. C'était vraiment une expérience, on va dire, complète, là. J'ai eu du fun en masse. J'ai pu, tu sais, c'était ma première tournée. J'ai fait le tour de plein de régions du Québec où j'avais jamais été. J'étais allée à la rencontre de gens. J'ai bien aimé ça. Faire une tournée, c'est quand même une belle aventure que, tu sais, j'avais aucune attente, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je voulais juste faire mes jokes, tu sais. Mais c'est vraiment le fun, j'ai bien aimé ça. Fait que là, ton show va continuer après la pandémie? Non. Non, là, mon show, c'est fini. C'est fini. Ça, c'est ma grande tristesse, en fait, parce que c'est un show qui était, selon moi, très bon. Comme, tu sais, moi, je le sais, je suis quelqu'un qui casse pas bon, je le sais, là. Puis, tu sais, c'est très long avant que je trouve quelque chose de bon. Mais là, je te dis, il était bon. Il était très bon. Malheureusement, il n'a pas été beaucoup vu. Quand tu es moins connu, c'est plus difficile de vendre des billets. Ça prend beaucoup de publicité. Puis là, ça prend un producteur qui fait de la pub. Ça prend quelqu'un qui, tu sais, ça prend... C'est beaucoup de travail, quand même, faire connaître quelqu'un, là. C'est quand même exigeant. Puis bon, les circonstances de la vie ont fait que c'est... Je ne me suis pas rendue à ce que je souhaitais pour ce spectacle-là. J'ai eu des magnifiques critiques. Hein. J'étais vraiment là. Moi, je capotais. J'étais vraiment contente. Là. Tu sais, j'aurais pas pu souhaiter mieux que ça. Pas mal tout le monde a adoré mon spectacle. J'étais bien fière de ma chatte. Puis tu vois, la vie fait aussi que tu sais, les choses ont changé. J'ai évolué. J'ai passé à autre chose sur plein de choses. Fait que, y a bien des numéros que je suis comme, ah, j'aurais pas le goût de retraîner ça avec moi. Tu sais, là, j'ai hâte de faire le prochain. Je suis en train de travailler sur le prochain. Entre les deux confinements, j'avais commencé à roder du pré-rodage, là, tu sais, de deuxième show. Ça allait bien, j'étais bien contente. J'étais contente, tu sais, parce que c'est particulier, là, jouer entre deux confinements, pareil. Tu sais, t'es rouillé, là, t'essayes quelque chose de nouveau, tu vas faire ton vieux, ce que t'es habitué, puis là, tu dis, je me lance dans le vide, je l'essaye, puis j'ai des super fans, là, écœurants qui viennent me voir, puis qui sont comme, hey, si on aimait ça, si on n'aime pas ça. Tu sais, les gens, là, genre, ouais. j'ai vraiment des fans écœurants, là. Fait que, tu sais, je suis à l'aise de leur dire, bon, qu'est-ce qui était pas bon, qu'est-ce qui est bon, vous tripez sur quoi, ou, tu sais, où est-ce que je suis à l'aise, puis ça fait que, tu sais, moi, j'ai un gros contact avec mon monde, là. Tu sais, mes fans, je les reconnais dans la rue, là. Tu sais, je les reconnais, on se parle sur Facebook, j'ai une super bonne mémoire, fait que visuelle. Fait que c'est fou, là. Tu sais, je peux même dire que tu étais assez haut dans la salle des fois. Tu sais, si je t'ai vu dans la lumière, j'ai une vraiment bonne mémoire. C'est pas normal de visage, là.
Fait que je sais pas si ça donne que ça crée des super contacts. Puis tu sais, être bonne honnête avec toi, moi, être dans là, je peux attendre que le show commence, j'ai le goût de me gonner. Là, c'est avec tout le monde, si je veux mourir. Fait que souvent, je vais scanner les billets dans la porte ou je vais serrer la main des gens dans la porte des shows parce que c'est bien trop long à attendre tout seul. Tu sais, je vais à l'accueil aussi. Colin, on est pareil. Ouais. Yep. Mais ça fait que je connais le monde. Fait que c'est cool, je trouve. Ça fait une proximité tellement... Je me sens tellement plus en gang à cause que je les ai vus avant qu'ils rentrent. Je sais pas. C'est ça. Mais parlant de gros hits, là, bon, je veux juste placer les gens. Le gala des Oliviers. Ouais. Fait un numéro qui a marqué probablement un des numéros qui va rester à l'histoire des galas. Là, pour remettre en. Est-ce qu'il est sur YouTube ou on ne peut pas le voir nulle part? Oui, il est sur YouTube. Ah, je peux-tu aller le chercher? Ben oui, je pense qu'il est même sur ma chaîne. Je l'ai mis, il me semble, il y a longtemps. Eh hey, bien, continue de parler, je vais aller faire ça. Mais tu veux que je parle de quoi? Comme ça, Geneviève, elle n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Elle me lance un sujet, elle me donne toute la responsabilité de l'entrevue pour faire son camp sur YouTube. C'est quoi la recherche que je dois faire? Sylvie Tourigny, Mélanie Guenemé, Olivier, là, mettons, tu devrais tomber dessus. Ou Charru à TV, tu sais, ça pourrait être ça. Sylvie Tourigny avec un grec, elle met avec un i pour vrai, pour une joke ou... Non, c'est de même. C'est de même. Parce que je veux vraiment que le monde voit... probablement qu'ils l'ont tout... Ah, ben, tabarouette, je tombe direct dessus, vierge. Ah oui, donc. Ah oui, donc. Fait que ouais. Je vais vous rappeler le numéro qui a marqué. Oh mon Dieu, mais tu vas pas le mettre au complet, là? Non. Ben, c'est 4 minutes et quelques. Il est colique, hein? On a beaucoup de choses à faire en plus de ça. Bon, ben, laisse faire d'abord, c'est beau. Non, non, mais vas-y, là. Si tu ne pas le mettre puis l'arrêter en plein milieu, Boutillard. On va aller passer l'aspirateur, on s'en reparle. Ben non, mais si tu veux pas, je le mettrai pas, là, c'est correct. De toute façon, ben, tu peux, là. Je me sens mal, j'ai l'impression que j'essaie de te gérer, là. Fait que. Ben, t'as toujours essayé de me gérer. Ça, c'est vrai. Attends qu'on explique aux gens à quel point c'est toi qui run tout. On part. Et là là, c'est beaucoup ça. 9 minutes 45. Bon, tu vois, c'est 9 minutes. OK, mais on va juste écouter un petit bout de bord. Ah non, parce que ça, il y a la présentation avant. Personnage de Carole et son prochain. La seconde est tournée depuis un an avec son One Woman Show. Et là là. Brut, mesdames et messieurs, Sylvie, Tourigny-Pierre-Yves! Bonsoir, alors cette année, Sylvie et moi, ça fait 10 ans qu'on est humoristes et probablement qu'il y a encore des gens à la maison qui nous regardent en se disant « ça fait 10 ans, mais c'est qui, eux autres? » Ce qui fait que nous, on est deux filles qui trouvent ça vraiment long avant d'être invitées à Tout le monde en parle. Mais après 10 ans dans le milieu, on se rend compte à quel point l'industrie de l'humour a beaucoup évolué. Oh oui, ça évolue, là! Ah oui, les choses ont changé! Oh oui, ça change, ça se transforme, ça évolue, là! Non, non, mais ça arrive plus aujourd'hui que les filles, on se fasse présenter tout gras dans une soirée d'humour, là! Tu sais, parce qu'à certaines époques, c'était pas facile, là! Non, là, ça arrive plus qu'un animateur nous présente en disant « La prochaine humoriste est rousse, elle doit être cochonne! » Ou la prochaine, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle l'a déjà mise sur la mienne. Alors, tu sais, avant, il était juste 3 filles en humour. À ça, on est rendu une vingtaine. Mais oui, tu sais, on est rendu une vingtaine. On est une vingtaine à se partager l'espèce de commentaire un peu malhabile de monsieur, madame, tout le monde qui vient nous voir après un show en disant « C'est que moi, des filles en humour, je trouve pas ça drôle. » Mais toi, t'es drôle. Ah ouais, toi t'es drôle, toi t'es drôle, toi t'es drôle, toi t'es drôle, toi t'es fucking drôle, putain! Et on sait de moins en moins dire que pour une fille, on a des couilles, une drive de gars, hein? C'est quoi ce break de weed, drive de gars? Drive de gars, ça, c'est ça, c'est un gars qui est né de sa blonde, là, mais en prenant le bois de corps. Non, mais pour vrai, des fois, les gars, l'humour, c'est un peu un all you can con, là, hein? Oui.
Oui, vous parlez de l'accouchement de votre blonde conne, d'aller en camping avec votre blonde conne, d'aller au Ikea avec votre blonde conne, d'amener la conne aux pommes. Ah ouais, mais c'est qui m'a choisi, cette conne-là? On est rendu une vingtaine de filles en mots. Ça n'a pas de sens, des fois, il n'y a plus de place dans les loges tellement il y a de sacoches. C'est même rendu que nos menstruations sont synchronisées! Écoute, ça change. Aujourd'hui, les filles, on peut être aussi drôles que les gars. Ah oui, même qu'on peut faire les mêmes jokes qu'eux autres pour être drôles. Ah, tu sais, le nombre de fois qu'on a vu des humoristes gars taquiner l'homosexualité sur scène, hein, tu sais, Laurent Paquin, puis François Morancy, Maxime Martin, puis Louis-José Hood, tu sais, ça se frotte, puis ça se tripote, parce que c'est drôle, ça. À ce temps, nous autres aussi, on peut check ça! On fait le ciseau! Ah, hey, ça, c'est drôle, ça! Mais c'était drôle, mon ciseau! C'est drôle, ça! Et combien de fois qu'on a broyé de rire en voyant Normand Brathwaite animer un galant en bobette parce que c'est drôle, ça! À ce temps, nous autres aussi, on veut! Check ça! Je t'en fous! Voyons. Aïe. Je le revois là, puis c'est comme que je le revis encore. Imagine-toi, toi. C'est drôle, là. On s'entend que c'est. On est ailleurs là, dans le numéro, mais il y a tellement un message. Ça a dû changer bien des affaires dans l'humour, ce numéro-là. Après. Bien des affaires. C'est fort comme numéro-là. Puis c'est toi qui as écrit ça avec Sylvie. Oui, c'est les deux. Puis il y avait une équipe aussi, tu sais, avec qui on validait les punchs, les gars. Parce qu'au début, nous, on avait écrit un numéro qui était comme deux fois plus long que ça. Puis il était comme, nanan, on était à 7 minutes, puis on est parti à 4, là, tu sais. Ça a été toute une histoire, mais ça me fait tellement plaisir de le revoir parce que on s'attendait jamais à ça, tu sais. Mais ça a changé votre vie un peu quand même le lendemain. Là, moi, j'ai ouvert la radio, vous étiez partout. Là. Ça comme... Le lendemain, là, il faut comprendre que nous, là, on est en état d'ébriété, que le cul, même. On est pété raide. C'est comme moi, je ne bois jamais. C'est rare. Tu vois, tu sais, je pense que toi, tu m'as vu scrap une fois. Là, tu sais, je ne bois pas souvent. Mais je l'ai chopé. Ben, en même temps, j'étais tellement sur un high de stress puis de tout a tombé. Puis on était tellement contente que, tu sais, 3-4 verres, c'est fini, là. Moi, puis là, je me suis passé ça à 6-7 verres, là. Tu sais, fait que le lendemain, en radio, on sentait le fond de tonne. Puis, tu sais, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? On comprenait rien. Mais on a été bien chanceuses d'être invitées un peu partout, aller parler de notre numéro. On a eu une belle visibilité. C'était bien fun. Ça a permis une couple d'affaires. Moi, j'avais un projet télé que j'adore, que j'ai eu l'occasion d'aller pitcher à Radio-Can. Parce que là, ils m'avaient vu. On avait collaboré avec eux. Fait que là, ils étaient comme
dire, c'était plus facile de dire, ben oui, on n'est pas à te recevoir pour un pitch d'un projet. Fait que, tu sais, puis ça a apporté beaucoup de... des belles rencontres. Mais, tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, je ne sais pas si ça change l'humour, mais je pense que le message était clair. Le message, j'ai c'est sûr que dans ça, il y avait déjà vu tout le monde qui était là, les auteurs, les créateurs. Ouais. Ça a switché en tabarnouche. J'ai Marc-André, salut Marc-André. Wow, première fois, my bad, que je vois le numéro. Ouais. Vraiment, il y en a qui le voient pour la première fois. Tellement, Gwenlyn a dit, tellement drôle, un beau message, un gros message. Toujours pas d'invitation, tout le monde en parle. J'avoue ouais, que... On n'a pas eu. Ça, c'est un peu décevant. En tout cas, bref, on... Mais c'est un peu décevant parce qu'en même temps, tu sais, le gag était là aussi pour ça. Parce que Sylvie et moi, ça fait 10 ans, sans joke, qu'on fait ça. Puis, tu sais, Sylvie, elle a gagné des Gémeaux. Elle a gagné un Olivier. Moi, j'ai été nommée aux Oliviers 2 fois. Je venais de lancer mon premier One Woman Show. C'est sûr que le fait qu'on soit pas plus connu, je veux dire, là, c'est quand même... C'est comme, je sais pas comment dire ça, c'est comme, c'est sûr qu'on nourrit pas tout le temps les réseaux sociaux non plus, puis, mais je sais pas, tu sais, en même temps, on travaille vraiment beaucoup, c'est juste que nos gigs sont moins vus peut-être, ou je sais pas, tu sais, ça a donné de même, tu sais, mettons, il y a des moments dans une vie ou dans des carrières où il y a comme, ils appellent ça un break, tu sais, des fois, tu as comme un break qui est comme, il y a une grosse différence entre le avant puis le après, ouais. Tu sais, on parle, on pense à... Kat Levac avec son personnage à SNL, tu sais, Mariana, quand elle a fait le show de Le Lac Mégantic, tu sais, ça a changé beaucoup, tu sais, du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens, tu sais, mettons, avec En route, où il y a des moments tranchants, tu sais. Je pense que ce moment-là, pour Sylvie et moi, les Oliviers, je parle, c'était un moment où il y a beaucoup de gens qui ont fait « Ah, ils existent, eux autres, tu sais. » Fait que, tu sais, c'est un moment qui va être intéressant parce que le numéro... Dans l'industrie, là, dans l'industrie, il y a des gens qui ont fait « OK, ces filles-là, ils existent. » Probablement que dans l'industrie, le monde de la télé, les recherchistes, c'est sûr là, que c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Là, tout le monde travaille dans la vie. C'est pas tout le monde qui va voir des shows non plus. Moi, je fais plus du stage que de la télé pour le moment. J'en ai des belles opportunités télé, puis quand j'en ai, je suis contente, puis je me donne à fond pour en avoir d'autres parce que j'adore ça. Mais le terrain de jeu de la scène, c'est un terrain de jeu qui me plaît énormément. T'sais. Fait que, tu sais, puis je pense, Sylvie, on l'a vu en jeunesse aussi, elle a fait 100% animal, elle avait Carole est son prochain, tu sais, qui est un personnage très connu, c'est juste que c'est pas comme, il n'y a pas eu un pic de popularité, mettons, ouais, dans nos carrières, mais ça fait longtemps qu'on est là, puis on est des professionnels, là, dans le sens que ça fait pas 2 semaines qu'on a commencé, là, tu sais. Mais tout le monde en parle, ça n'a pas marché parce que c'était le 8 décembre, les Oliviers. Ah, puis ils sont en break. D'après, c'était comme leur dernière, puis après ça, ils tombent en break. Fait que, c'était comme un timing aussi. Puis, c'était un sujet qui était dans l'air du temps, mais peut-être pas assez criant avant une dernière de saison aussi. Mais peut-être on va être invité plus tard pour d'autres choses, là, tu sais. Savais-tu que j'avais présenté un prix, moi aussi, aux Oliviers? C'est vrai! T'étais-tu dans ça? J'avais Frenché. Moi, j'avais un sketch avec Eddie King. Oh mon Dieu, t'as Frenché Eddie King, juste ça. Seigneur Dieu, waouh! On faisait semblant de. Dans la présentation, oh, oh, oh. J'avais une robe longue, il fallait qu'on aille pratiquer dans le jour. Puis moi, des robes longues, des talons hauts, ciboire. Il y avait le petit X par terre, il fallait pas que je regarde le X, mais je cherchais le X. En tout cas, on a pratiqué, mais on a pratiqué notre numéro d'un bar, nous autres, avant. Oh. Avez-vous pratiqué votre numéro, vous autres, d'un bar? Mais, hein? Fait que tu mettais la fourche. Combien de fois vous avez sorti vos totons puis votre fourche? Non, mais parce que moi, là, je suis un peu une crise de folle de préparation. Moi, j'aime bien ça qu'on soit tête. Ben oui. Et j'avais dit à Sylvie, je veux roder 10 fois avant de le faire. Puis elle était comme, t'es une folle. Puis j'étais comme, non, tu comprends pas. C'est live. Si on l'échappe 2 secondes, c'est fini, tu sais. Puis on l'avait pratiqué d'abord, mais jusqu'au ciseau. OK. Puis on disait aux gens, on est rendu là, parce qu'il fallait pas que ça sache le chandail, tu sais, puis les pantalons. Effectivement. Fait qu'on arrêtait là, puis les gens ils disaient, ah, mais c'est parce que c'est après-demain, tu sais, vous êtes pas stressés. On était comme, non, on va être correct, mais on avait l'air de... Et la couche, puis la brassière, c'était, tu l'as fait one shot, puis c'était à TV? Ouais, c'est ça. Ben, on l'a, parce qu'on avait les vêtements snappés, tu sais, d'avance. On a fait faire toutes les coutures par quelqu'un. Ouais. Puis là, par une couturière. Puis là, ben, on venait ici, exactement où est-ce que je me situe. Puis dans la tête, là, on se pratiquait à tirer sur notre linge parce qu'il fallait qu'on se pratique les snaps
pour pas qu'il reste pogné. Puis le jour même, devant toute l'équipe technique, les caméramans, le metteur en scène, le réalisateur, là, il a fallu qu'on le fasse devant juste le petit monde de la télévision. Pierre Hébert et Philippe Laprise n'avaient pas lu notre numéro. Ils l'avaient lu en diagonale. Genre, ils n'avaient pas saisi que... Ouais. Fait qu'en répétition, Laprise hurle comme ça, pas de bon sens. Il est quand même « Je l'avais pas lu! » Il criait. Il était « Mais voyons, les filles! » En tout cas, c'était un... Tu sais, la répétition était de bonne augure, mettons. On a un peu fait « Oh! » Tu sais. Mais sur le stage, tu sais, parce que le public, il a sa vue, tu sais, mais nous, on a une autre vision de la patente. Puis quand Sylvie, elle a arraché ses pants, la réaction était tellement plus forte que qu'est-ce qu'on s'attendait que moi, tu me vois faire « Malade! Malade! » Mais c'est parce que je parle à Sylvie de « Tabarnak, qu'est-ce qu'on fait? » Ça arrête plus, tu sais. Ah oui. Oui, c'est une vraie réaction de... Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, j'étais comme, genre, j'attends-tu? Là, je checkais. Fait, je savais pas il était où le moment où là, je pouvais y aller, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on pouvait pas le faire d'un bar. Ça aurait été un beau moment, là, parce que d'un bar, on est vraiment proche des gens. Fait que ça aurait été délicat. Oh my God, mais j'aimerais ça retrouver ça. Non? Vous autres, au moins, on peut le voir. Oui, il est pas sur YouTube, là, tiens. J'ai jamais revu. On avait eu une drôle de réaction aussi parce que je faisais. C'était Mother, I like to fonder une famille. Là, mais puis là, ça finit qu'on s'embrasse, tu sais. Fait que, puis là, ça a hurlé. Ils ne s'attendaient pas que je. Tu sais, dans le milieu, le monde nous connaît. Fait que Geneviève et Eddie King, les chances que. Ah ouais. Wow. Hey. Mais c'était en quelle année, ça? 2013. Ah ben, j'étais là, d'après moi. 2014. En 2012, j'étais en nomination. En 2011, 2012, j'étais en nomination. Puis après ça, l'année d'après, je présentais l'Olivier pour la découverte de l'année. Parce que j'étais en nomination découverte de l'année au début. J'étais en nomination deux ans. Un an. J'étais en nomination un an découverte de l'année. Après ça, l'année d'après, je présentais le prix avec Eddie. C'est qui l'a gagné ton année découverte de l'année? De Bellefeuille. Ah oui, OK, ouais. 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 Puis après ça, j'ai été en nomination pour Capsule humoristique avec Courte Autoune. Ah oui, je me souviens de ça, j'étais là, ouais. Puis ça rentrait dans Capsule humoristique avant la catégorie des podcasts. Fait que c'est sûr que c'est Mike qui l'a eu, puis c'est bien correct aussi, là. Wow, ah oui, c'est vrai. C'est l'année qu'on est allé sur stage avec des X en face. Ouais, ouais, je me souviens de ça. La Jules. Ouais. La Jules, ouais. Ah, mais ça me dit vaguement quelque chose. J'aimerais ça. Tu peux peut-être appeler aux Olivier et le faire. J'aimerais ça voir ça parce que. Oui, un peu, là. Ouais. J'aimerais ça voir ça. Mais toi, on parle. Moi, je me souviens, je t'ai parlé le lendemain, là. Je pense que c'est ça, le lendemain, l'après-midi. Hey, moi, je n'étais pas là, là. Aïe, là. Hey, ça n'avait pas rapport. Mais même, j'ai fait une vidéo dans mon char. Quand tu le regardes, j'ai l'air. On dirait que je suis à la côte. Je peux même pas croire que comme je me suis moi-même, j'ai même partagé ça. J'ai l'air sur un high qui n'a pas de bon sens, mais je suis juste en train de dégriser. Mais moi, t'es vu pacter. Chris, t'es drôle en tabarnouche quand t'es pacté, ma vie. Moi, je danse, je suis comme un troc. Là. Tu sais, j'ai les cheveux tout trempés, puis je danse, puis je suis fou dans la tête. Mais là, c'est quand. Mais t'étais pas. On dit que t'étais pacté. C'est quand le party dans ma cour, ça? Eh boy. Il n'y avait personne qui voulait haut, ben, mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. C'est vrai, dans ta course cet été. C'est vrai, je me demandais. Ah non, je n'ai vu un autre il n'y a pas si longtemps. Ben, c'était pas un party parce qu'on n'avait pas le droit, mais on avait le droit de se voir dehors, puis on faisait des feux dans la cour, puis là, tout le monde a tout. Oh, ouais. Là, on n'était pas 40, de toute façon. On était, ah, non, on était 37. Ah non. Mais, ben, c'est la sacoche. C'est l'histoire. Oui, mais parce que là, moi, je peux-tu le partager avec tes fans un peu? Parce que tes fans, je ne sais pas s'ils te connaissent. Vraiment. Une gonesse. Une gonesse, vraiment. Parce que moi, là, les gens, là, je vais vous le dire, Geneviève Gagnon, c'est une fille excessivement généreuse. Oui, Geneviève, elle est très généreuse. Elle est très souvent de bonne humeur, dynamique. Elle est comme le. Je vais juste te dire d'aller chier. Je sais que tu t'en vas. Je te demanderai d'aller chier, mais continue. Je vais continuer. Merci. Ouais.
Puis Geneviève, quand tu vas chez elle, là, tu rentres, là, tu dis, ah, ben, je vais amener de la bouffe, je vais amener de l'alcool, je vais amener. Fait que là, t'arrives. Moi, j'arrive souvent avec mon sac du Costco parce que je suis une grande fan, je veux que tout le monde sache que j'ai ma carte. Fait que je suis allée chez Geneviève et à moi et aux autres, t'as fait ça, là. Un moment donné, ça fait quoi, 22 secondes que t'es rentrée? Oh, 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 quand même, chaud. Tu mets tes affaires sur le comptoir, puis là, à un moment donné. Non, il y en avait par terre. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que Geneviève. Geneviève, elle a pris ta sacoche, elle a pris ton sac du Costco, elle a pris tes souliers, elle a pris ceux des autres, puis elle a tout cordé ça dans l'entrée, dans le portique, là, sur le bord de la porte. Fait que tu viens d'arriver, puis Geneviève, elle sent bien, elle, parce qu'elle sait que tu es déjà prête à s'en aller. Geneviève, elle est très généreuse, mais elle a comme un genre de. Elle a comme une limite d'envie, puis quand elle l'a atteint, il n'y a plus rien qui existe. Ah non, tout le monde dehors. Ça c'est fini, plus fun! OK. Mettons là, quand on avait le droit d'inviter du monde à souper, là, le monde soupe, mettons, là, puis là, c'est chez nous. Là. Fait que là, ah, tout le monde a du fun, ça parle, puis ça reste, hein? C'est ça qui arrive? Ben c'est ça, le monde, ben là, à un moment donné, mais pour vrai, puis ça arrive à chaque fois. Là, là quand il y a les premiers qui s'en vont, mais moi, je trouve que ça coupe une ambiance quand les premiers s'en. Fait que là, les premiers s'en vont. Là, les autres restent assis. Fait que moi, je les regarde, je fais ben. C'est pas normal. Fait que là, je dis ben, ça va se revoir. Fait que quand les autres à côté disent ben, je ferais toi aussi, tu t'en vas. Je ferais vraiment ça, mais ben, vous autres aussi, vous en allez, là, c'est fini. La soirée est finie, le monde est parti, on se reprendra. Moi, je dis carrément ça. Moi, la vie, je suis pas capable. Ça, mais faut que ça soit clair que c'est maintenant que tu t'en vas. C'est maintenant. Mm-hmm. Les autres sont là. Je vais aller te reconduire. Même, j'ai reconduit le monde à leur retour, hein. Pareil. Yes. Poli, mais moi, c'est parce que je veux être certaine. C'est ça. Tu vas être non, sûre qu'on va pas. Ouais. J'ai une chance que je le sais que tu es fine. Parce que, tu sais, mettons, ça avait été ça, notre première rencontre. Je pense pas que ça aurait cliqué. J'aurais fait. Tu me crises de quoi, là? Mais au moins, on s'était connus dans un endroit public. Là. Toi, puis moi, on s'est connus chez McDonald's, me semble, à Québec. On se connaissait pour aller manger au McDo, mais on a resté au McDo peut-être 4h30 de temps. On oui, était sur le même gala, je pense, à. Hein? C'est pas qu'on s'est croisés au McDo, puis on a mangé ensemble finalement, puis on n'a pas comme dîner puis souper chez McDo. Non, ben oui, mais attends un peu, là. On se connaissait, on a mangé ensemble dans un restaurant. Hein? Non, non, vas-y, je te on suis. On était pas avec François Lambert dans un restaurant à un moment donné. Je sais pas. Moi, je me rappelle avoir fait un gala. Toi, tu faisais un numéro avec François Lambert. Moi, ah, c'est ça. Mon premier gala à Québec dans ce temps-là. Ben, on se disait bonjour, mais au McDo, on est allé manger parce que j'ai dit, on va manger au McDo, puis après ça, on prend en route. Tu as dit, moi aussi. Fait qu'on a oui. Trop. Puis là, c'est parti. Moi, je mangeais un œuf McMuffin, je me souviens. On était assis dehors. Oui. On a tellement été là longtemps qu'à un moment donné, on a regardé l'heure, puis on est allé chercher à dîner. Moi, j'adore ça, ces histoires-là. Ben, ouais. Puis c'est là que notre amitié s'est créée, ça fait une couple d'années. Là, ouais. Ben oui, ça fait un bon bout, là, ça. Ça devait être en 2012, genre. Hey, Martine Perrault a dit, c'est vrai que j'ai mes affaires dans le portique. Puis ma mère, même chose pour moi, elle me dit, bon, ben c'est ça. Ben ma mère, t'as pas le choix, elle, sinon elle s'en va pas, ma mère. Pourquoi? Ben maman, veux-tu aller partir à ton auto? Mais pas fait dire, au moins, t'as ta mère. Moi, ouais, ma mère, elle fait ça chez nous aussi, là. Des fois, je vais chez elle porter Pogo, puis ça, elle dit, non, tu fais juste me le donner, je suis occupée. Ma mère est toujours occupée. Ah. Ouais. Ben, t'as peut-être pas, t'as appris ça dans quelque part, là. Ouais, exactement. On est bête de même dans la famille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, vous êtes bête, mais en même temps, ça a le mérite de le faire. Tu sais, il n'y a pas de niaisage. Ben, toi, tout t'es franche aussi. Il n'y a pas de zone grise, là. Non. C'est-tu être bête, ça? Mon cas. C'est bien. Je ne pense pas. Non, parce que je pense qu'il y a une façon de dire les choses, là, mais en même temps, tourner autour du pot 50 ans, ça ne sert à rien. Là. Ton quoi? Tourner autour du pot pendant 50 ans, ça ne sert à rien. Là. Non, ben, mais ceux qui les gens qui tournent autour du pot, ça, je leur dis, ce serait le fun que tu arrives. Ben oui, parce que la vie, c'est plus là. Je ne sais pas où tu t'en vas, on va être des minutes qu'on ne retrouvera jamais dans la vie. Tu mais moi, c'est très rare que je mette du monde dehors, par exemple. Ça, c'est vraiment juste toi qui as un problème. Non, au contraire, tu donnes des manteaux et tu fais, ben, en tout cas, là, tu parles dans le portique.
Il y a longtemps que tu as fait ça, là, je me souviens plus trop, à trop bref. Non, mais moi, je ne mets pas le monde dehors. Non, 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 non. Puis je ne mets pas leurs affaires dans l'entrée. Essaie pas de t'en sortir. Ça se fait juste pas, mais en même temps, vu que c'est toi, c'est correct. Bon, ben, Mélanie. T'étais carré que je te stoule devant ton monde? Non, mais des petites questions rafales, parce que moi, je voulais ça sur une heure, mon. Non, trop tard, on l'a bossé, mais c'est parce que tu étais allé mettre une vidéo, désolé. Qu'est-ce que je veux juste savoir. Des petites questions en rafale. Ton film. Non, mais quand tu dis questions en rafale, il faut que je me dépêche à répondre ou je peux prendre mon temps? Ben, je sais pas. Je veux juste savoir c'est quoi ton film préféré pour savoir, pour voir ta. Tu vois, j'ai le même film, même mes affaires dans l'entrée en ce moment. J'ai l'impression que je suis dans le portique en ce moment. Oui, là, t'es dans le portique tranquillement. Ah, okay. Pas de niaisage. Quelqu'un a écrit pas de niaisage. OK. T'es... Quoi? Ton film préféré à vie, c'est quoi? Ouh. Eh boy, ça va être long. Oui. Ben moi, j'avais beaucoup aimé. C'est un film qui était un peu confrontant et assez dérangeant, mais ça s'appelle Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. C'est un film sur la vie après la mort. J'ai capoté ben rire. Oh, je sais bien, ça, c'est là qu'on n'est pas amis. Là. On se rejoint pas pour parler. C'est ça qui fait notre différence. C'est super beau. Mais c'est pas grave, c'est juste un petit peu plus fine. OK, continue. Oh, by the way, là, ta présence. Ton entrevue, il y a du monde à la messe. Oui! Aïe! Ah, oh, t'es bien fine. Non, non, mais ça, c'est une partie que les gens ne connaissent pas, cette valeur, parce que là, on a fini, mais wow! Parce que Mélanie, ben, tu parlais de quoi? Dis aux gens. Ben, j'avais été invitée pour parler de l'intuition, puis de. Parce que moi, j'ai un. En tout cas, c'est ça, je peux parler longtemps, là, mais. Pour moi, l'intuition puis le senti, c'est super important. C'est vraiment un outil que je me sers de plus en plus, tu sais, pour vivre ma vie, prendre mes décisions, comprendre où est-ce que je suis rendue. Je l'échappe régulièrement, mais j'essaie d'être le plus consciente possible. Fait que là, j'allais parler d'intuition, de comment qu'on file les affaires pour, tu sais, prendre des décisions d'envie ou comme pour se donner le droit de vivre des situations. Puis là, ben, j'ai eu la chance d'aller parler de ça. Puis on parlait beaucoup de... Tu sais, l'ego, comment l'ego essaie de contrôler la vie, puis quand t'es dans ton cœur, quand t'es dans ton senti, la différence, en tout cas. C'était un beau moment. C'était la première fois que je me permettais de parler de mes intérêts qui ne sont pas humour à la télévision. Fait que j'étais. C'était une belle expérience. Mais c'était très intéressant, vraiment. T'es bien fine. Mais t'as l'envoyé, si tu veux, mais t'as l'envoyé. Ben oui, mais c'est surtout que ça m'appelle, moi, parler de. Intuition. Les séries. Ta meilleure série ever. Oh mon Dieu, shit, je sais pas. Tu me prends de court en maudit, là. OK. Attends, mais la tienne, c'est quoi, mettons? Ma série? Ouais. Ah, oh, moi, je te dirais que Breaking Bad, ça m'a marqué. J'en ai plusieurs, là. Égal, là. En Breaking Bad, Animal Kingdom, c'est pas mal mes tops. Ah ouais. Ouais. Ça, moi, j'avais trippé sur Lost. J'avais bien aimé ça, Lost. Ah, oh, Lost, mais j'ai pas aimé la fin. Oui, Claude, Viking, j'ai commencé Viking, là. Je n'en sais rien, fait que je peux pas dire que c'est la meilleure, mais j'aime ça. J'ai commencé ça. Moi, Lost, j'avais bien aimé ça. Sex and the City, là, tu sais ça, ouais. C'est comme du comfort food, là. Moi, moi, j'ai bien aimé ça. Puis, c'est quoi j'ai écouté dernièrement? Il y avait quelque chose? Ah, j'ai écouté The Morning Show. J'ai adoré ça. C'est tout. C'est assez comme réponse. C'est complet. Go! Quoi t'écoutes comme musique? Moi, j'écoute pas mal de tout. Je suis une grande, grande fan de jazz, mais du old school. C'est un héritage familial. Là. Mes parents écoutaient beaucoup de ça, ça a resté. Mais j'écoute beaucoup de indie, pop. Mais tu sais, j'ai des passes où tu sais, je vais écouter du rap pendant 3-4 jours. Là. Tu sais, c'est ça, ça. C'est très émotionnel, mes choix musicaux. Tu vois que... Il y a un certain déséquilibre, hein? on peut le voir rapidement comme ça. Mais c'est émotionnel. Quand ça va bien, je vais écouter du Alexandra Streliski. Oui. T'sais, ça va pas bien, je vais écouter Cypress Hill. Tu comprends? OK. J'ai perdu ce que je voulais dire. Avant d'entrer à l'École nationale de l'humour, est-ce que tu consommais l'humour? Pas tant. J'avais été voir quelques... Que spectacle, je pense, avec mes parents ou des affaires de même, mais je suis pas tant. Puis moi, ça a été long avant que je comprenne que c'était un métier. Tu sais, moi, je pensais que c'était du monde qui allait niaiser sur un stage.
je dois être un peu conne, mais ça a été très, très long. J'avais pas compris. Puis, tu sais, moi, ben, j'en parle souvent en entrevue, mais il y avait Lise Dion qui servait des beignes au Dunkin' Donuts à côté de mon école. Mais je l'avais vu, quand je l'avais vu sur le poster, j'avais dit, ah, oh, c'était elle. Tu sais, c'est là que j'avais comme compris, ah, OK, fait qu'elle travaille plus ici. Puis là, on m'a dit, ben non, c'est ça son travail maintenant. Tu sais, ça a été long avant que je comprenne qu'on pouvait faire ça comme métier. Puis est-ce que tu rêvais de rencontrer un humoriste avant, puis là, après ça, tu l'as rencontré, que tu as travaillé avec, genre? Ben oui, quand même. Tu sais, moi, Lise Dion, j'étais bien contente de la voir. Tu sais, j'ai eu la chance de faire ses premières parties. Tu sais, j'ai capoté. Tu sais, Laura Paquin, je l'ai toujours trouvé super intelligent, super drôle. Tu sais, puis, tu sais, c'est un ami aujourd'hui. Je fais souvent ses premières parties. Tu sais, il y en a beaucoup. Mike Ward, je suis une grande fan de Mike. J'aime ouais, beaucoup. Moi aussi. Moi, je suis allée au secondaire avec la sœur à Louis-José, Marie. Avec qui, tu sais, on était bonnes amies et tout. Fait que, tu sais, j'avais vu Louis de loin, mais j'étais toujours un peu terrorisée, tu sais, parce que il m'impressionnait professionnellement, tu sais. Fait que, tu sais, quand j'ai eu l'occasion de le voir en vrai, tu sais, puis d'y parler, puis là, maintenant, tu sais, c'est comme, c'est un chummy, là, tu sais, je le vois au bordel. Tu sais, j'ai toujours été impressionnée professionnellement de le voir aller dans toute sa construction de numéros. Fait que, en tout cas, de pouvoir, tu sais, travailler pour lui aujourd'hui, je suis comme quand même contente, là, tu sais. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qu'on aime puis on a juste hâte de voir comment ils travaillent en vrai quand on est assis à côté d'eux autres ou qu'on les regarde dans le même bar. Moi, ça me fascine toujours de voir comment ouais. les gens utilisent leur numéro. Je suis d'accord. Ouais. J'ai Gilles. Allô, Gilles. Est-ce que tu connais Gilles Cormier? Eh, mais hein? Salut, Gilles. Comment ça, tu connais? C'est mon Gilles. C'est pas ton Gilles. C'est mon. C'est correct. Moi, on se battra pas. Là. Je veux pas m'arracher des êtres humains d'envie. Mais non, on s'aime bien. On se like sur Facebook souvent. On s'est vu à cause de. Ben, grâce à, je devrais dire, Jérémy. On s'est rencontrés dans des galas, je pense aussi, Gilles. Ben, tu sais que mon premier gala Juste pour rire, c'est à cause de Gilles Cormier que j'ai eu. C'est-tu vrai? C'était le metteur en scène du gala de Peter McLeod parce qu'il a travaillé pendant 1200 ans avec Peter. Je savais pas. Fait que puis lui et Peter, ils ont dit on l'a vu sur le gala, puis il a travaillé avec moi. Mais oui, c'est avec la première personne que j'ai travaillé en humour, c'est Gilles en 2000. Wow, c'est très cool. Fait que je l'aime pour la vie à la mort, puis c'est mon ami maintenant. Fait que lui, c'est un film, parce que là, il est producteur, il fait plein d'affaires, Gilles, là, il est dans le milieu artistique. Fait qu'il va faire un film. Ah, oh, il veut dans un film Le Bon, la Brute et la Toutoune. Ben, va donc shit, ou la Toutoune. C'est moi, ça, la Toutoune, Chris? C'est moi, Geneviève, c'est peut-être moi. Ben, non, mais j'y vais avec mon trademark. Ben oui, t'as raison, Gilles, je te niaise. Ben oui, on fait un film, mets-toi sur le dossier, Gilles, on fait un film les trois. On fait ça, on le fait. Hey, merci d'être là, tout le monde. Écoute, Mélanie, ça fut une belle heure et quart. Ben, quoi que nous autres, c'est un petit moment tranquille. Non, c'est ça. C'est déjà fini. Je peux pas croire. On s'appelle-tu après pour continuer? Oui, on s'appelle après pour continuer. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que c'est tes prochains projets là, pendant la pandémie ou après la pandémie? Qu'est-ce qu'on te souhaite et qu'est-ce que tu vas faire? Oh, qu'est-ce qu'on me souhaite? J'aime ça comme question. J'aimerais faire un deuxième spectacle, un deuxième One Woman Show. J'aimerais ça faire une tournée. Là, j'ai un beau projet. J'anime la prochaine saison du Grand Rire 2 à Radio-Canada. Oui, félicitations! Je suis vraiment contente. Oui. Merci. C'est un vraiment un beau trip. J'avais jamais animé de show. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une belle première expérience. J'ai adoré ça. J'ai vraiment hâte. Je ne sais pas quand ça sort, par exemple. C'était supposé être en janvier. Puis là, j'ai entendu dire que c'est peut-être au printemps. Je ne sais pas. Mais c'est fait. Ça s'en vient. Fait que j'aime beaucoup le terrain de jeu de la télévision. Ça me manque. T'sais, je l'avais fait avec PA Méthode et Dumpack dans le temps de Direct dans le Net. J'avais bien aimé ça. Fait que je pense que j'aimerais équilibrer scène et télé dans ma carrière. Ben, je te le souhaite. Ouais, j'aimerais vraiment. Un podcast. Voudrais-tu faire un podcast? Mais là, c'est ça, mais tu me connais, parce que je sais qu'est-ce que tu fais, mais c'est ça, là, j'ai un... Oh, mon Dieu Seigneur! Bon, non, je t'ai juste dit, est-ce que tu pourrais, ça pourrait-tu? T'es pas obligé, là. Oui, ça s'en vient, là, c'est juste que... C'est pas une POC, mais t'es pas si clair que ça à POC, là, si tu la voulais pas. Non, je l'ai pris. J'ai une idée de podcast, je suis en train de préparer ça, la musique est achetée, j'ai une chum qui est en train de m'aider pour le générique. C'est en train de se faire, c'est juste que c'est tellement différent. T'sais, les gens, ils me connaissent drôle, puis ils me connaissent un peu conne, puis je fais des jokes de graines, puis ha, ha, ha. Mais
J'ai un côté humain vraiment, vraiment fort où le comportement humain est très important pour moi. Tu sais, moi, les gens ne le savent pas, là, mais je suis en train de suivre un cours en relation d'aide. J'aime vraiment ça comprendre pourquoi moi je pense d'une façon, pourquoi j'agis d'une façon, c'est quoi ma perception dans des situations puis celle des autres. Ça me fascine. Je dois avoir une maladie mentale. C'est vraiment une tête, là. Moi, je te le confirme. En tout cas, quand c'est tout, elle, des fois, là, j'y parle au téléphone, ben, comme, hey, thérapeutise-moi pas, là, Chris, on parle. Bon. Mais moi, ça me fascine. Je trouve ça. Je trouve que je me comprends pas comme être humain. Tu sais, je trouve que de dehors, là, on parle tous le même langage, mais dans dedans, on dirait que c'est pas le même langage que de dehors. Tu sais, ce que je ressens et ce que je dis, des fois, ça marche pas. En tout cas. Bref, fait que j'aimerais ça faire un podcast pour apprendre à. Mais ça serait bon. Je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Ça sent bien, là. C'est juste que j'ai peur, la gang. Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'air top, mais j'ai peur. Non, mais Mélanie, de toute façon, moi, des fois, tu me psychanalyses, là, tu fais des choses, puis c'est bon ce que tu fais, là. Des fois, on arrête, mais tu sais, il y a des choses que tu me dis, puis que tu parles, puis ça fait. C'est très bon, tout le monde va aimer ça. Premièrement, les gens, allez liker la page Facebook de Mélanie Ganimé, okay. G-H-A-N-I-M-E. J'ai mis la page, son site web. MélanieGanimé.com. Allez suivre cette fille-là, ça, c'est tout bon. Je peux-tu me permettre une dernière affaire? Deux affaires. Je peux-tu? Oui, parce que on a tout. C'est un podcast, c'est ça qui est. Ah, c'est ça, on sent. OK. Bien, je vais sûrement l'annoncer bientôt sur ma page parce que je vais faire des galas Comédia en janvier. Là, les galas, là, ça se peut qu'il n'y ait personne dans la salle. Puis ça commence déjà à me faire un petit peu d'angoisse. Mais bon, garde, c'est comme ça la vie. On essaie d'accepter puis on passe à autre chose. Sauf que. Je peux pas aller roder, je peux pas aller les tester. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Et je vais peut-être faire. Je vais l'annoncer bientôt sur ma page. Je vais avoir besoin des gens. Ça va être gratuit, là. Je vais faire un zoom. Je vais juste prendre 20 personnes. Je voudrais juste me pratiquer. Fait que on pourrait se voir, je fais 2-3 numéros, je me pratique. Merci, bonsoir, bye, là. Fait que si ça vous intéresse, venez sur ma page. Je vais bientôt vous inviter à faire ça. Comme ça, vous allez pouvoir être là puis me dire hey, c'est bon. Tu sais, tu comprends? Allez, allez-y, likez sa page, ça va être sur Facebook, Mélanie, puis il y a Mélanie qui a animé ta page. Ma page, ouais. Parfait, allez faire like, puis là, vous allez voir ça apparaître, puis on va être là pour aller voir. Tu vois, les gens te... Puis là, avant de quitter, je veux juste, parce que là, il y a des gens qui s'en vont, mais il y en a plein qui veulent nous dire, attends, je veux juste voir qu'est-ce qu'ils disent. Quand tu veux, fait qu'elle va aller te liker, puis elle va... Venez me liker, là, je vais vous annoncer ça bientôt. Allô, José, au plaisir de vous voir les deux sur la même scène, on se tordrait de rire. Suzanne, allô Suzanne, merci pour cette belle découverte encore une fois. Vivement les retours des shows. Bonne fin de soirée. Fait qu'elle, elle te découvre ce soir. Ça, j'aime ça. Merci. Merci pour le moral, ça fait du bien. Merci les filles. Merci Geneviève d'avoir participé. Merci Lynn. Merci les filles. Je vous souhaite de retourner sur scène devant du monde en 2021. Je merci beaucoup. Alors, je vous salue tout le monde. Merci d'avoir été à Conversation en direct. Suivez ma page Conversation en direct. Sinon, toutes les lives vont être sur toutes mes pages. Je vous remercie. Allez liker, allez partager, allez liker Mélanie. Sur ce, je vous souhaite un beau temps des fêtes. On suit les règlements. On ne fait pas les méchants. On dit non, non, on ne veut pas le COVID. On fait attention à tout le monde. Puis, est-ce que tu veux savoir ce que je fais dans le temps des fêtes? Qu'est-ce que tu fais, Geneviève, dans le temps des fêtes? Je vais en auto voir ma famille. Dans le parfait, ça? Ouais. Fait que là, ma valise de camion, elle va être toute décorée. Fait que je vais reculer. Je rouvre la valise. Il va y avoir des lumières, des sapins, la musique de Noël. Puis je vais dire allô à mes oncles, mes tantes, ma vieille tante qui est placée. Elle va être sur le balcon. Puis je vais faire ma tour. Black Lake. Ouais. Fait que je vais aller voir ma famille. Hey, mais pas seulement chez nous, moi, je veux prendre une photo de ton truc décoré. Je pars à 7h le matin, puis je pars de Chantilly, puis je m'en vais direct à Tapur. Mais je vais prendre des portraits, puis je vais sûrement filmer, puis faire des Moi, je te connais, d'après moi. Ouais, les autres, tu me connais. Il y a Maud, bonsoir, Malik. Respecter le confinement, bien sûr, c'est ça qu'on dit, on respecte le confinement. Mais j'aime bien... Mon dernier point, c'était pour toi. Oui.
Je voulais juste te dire un gros merci de l'invitation. Puis je trouve que tu es super inspirante de faire tout ce que tu fais. Tu sais, travailles dans la vie, tu fais des podcasts, tu fais des conférences, tu écris des livres. Je trouve que c'est vraiment le fun de te voir aller. Tu fais de l'humour, tu fais plein d'affaires. Puis, tu sais, je ne sais pas si les gens qui te suivent, ils savent tout ce que tu fais. Tu sais, peut-être que vu que ça fait longtemps qu'ils te connaissent, tout ça, mais moi, je trouve que tu es une amie bien fun à avoir. Je me considère bien chanceuse. Bien fine, mais c'est réciproque, hein? Ben, t'es bien fine. On s'admire les deux. Ben merci, mais je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, tu vas toujours être plus vieille que moi. Fait que... Non, mais merci beaucoup de me montrer tout ce que tu fais. Des fois, te regarder aller, ça me donne du courage puis ça me botte le cul pour faire des affaires. Fait que je t'aime bien fort, ma chum! Je t'aime bien fort, puis merci d'avoir participé à mon podcast. Puis merci d'être assis tout le monde. On va coucher Guilbeault à dire où qu'il est assez tard. Ben, merci, Mélanie. Je te souhaite beaucoup de succès. Je te souhaite que les shows recommencent, puis je te souhaite un bon succès dans ton podcast. Ben, t'es bien fine, t'es bien fine. Ça va bien, ça va bien. Puis continue à parler de ton intuition, j'adore ça. Bonne journée! Bonne soirée! Bonne nuit tout le monde, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Reste dans la loge, ma belle.